Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un haul beauté de chez Aldi. Donc je suis allée hier dans mon Aldi le mardi 14 avril, donc aujourd'hui quand je tourne on est le 15 avril. Donc je suis allée hier dans mon Aldi faire quelques achats parce qu'avec le confinement on n'a plus d'action d'ouvert et c'est là principalement où je fais mes achats beauté. Mais là du coup je commence à avoir des produits qui se terminent ou qui arrivent sur la fin. Donc du coup qui sont terminés et qui arrivent sur la fin, et d'autres produits que je n'ai plus. Donc du coup j'ai été dans mon Aldi, voilà, j'ai fait une liste pour me reprendre certains produits qu'il me refallait. Et quand je suis allée là-bas j'ai eu la surprise que c'était les promos beauté. Alors je ne le savais pas du tout vu qu'on n'a plus de prospectus. Je le savais pas, donc ça a été la coïncidence. Donc je vous mettrai les dates des promos beauté si je trouve sur le prospectus, parce que vous pouvez le trouver en ligne sur internet, vous notez prospectus Aldi, vous allez tomber dessus. Donc du coup voilà, donc j'ai pris ce qu'il me fallait, j'ai rien pris de plus. Voilà, comme je vous ai déjà dit, j'achète plus si j'ai pas besoin, donc j'ai juste pris ce qu'il y avait sur ma liste. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix des produits au fur et à mesure, je vous les présente. Et comme toujours, vous retrouverez mon avis définitif dans les produits terminés. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour l'hygiène dentaire, j'ai trouvé ces dentifrices là. Donc ces brosses à dents là, il m'en refallait parce que les notes, ça fait un bon moment qu'on les a et... voilà, j'en veux des neufs. Donc de base j'aurais voulu les brosses à dents en bambou, mais commandé sur Birchbox, vu le temps que ça prend, j'ai toujours pas reçu ma box du mois, donc je préfère éviter de passer commande. Et chez Action, j'avais vu passer sur certains halls les brosses à dents en bambou, mais moi je les ai pas trouvées dans mon Action, donc du coup je vais pas attendre. J'ai pris un lot qu'il y avait dans les promos, donc c'est de la marque Signal. Donc c'est les double care sensitive, élimine la plaque en douceur avec des pointes effilées de 0,01 mm. Et c'est des brosses à dents souples, c'est noté, voilà, sensitive, il y en a 3. Voilà, donc je les remplacerai tout de suite après avoir fait la vidéo. Ensuite... j'ai pris, et là je suis trop contente, donc il me refallait du dentifrice et je suis tombée sur celui-là, le Signal Intégral 8 Action naturellement coco blancheur, aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents, infusée à l'extrait de coco et notes mentholées. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc ces deux dentifrices, format combien? Alors je sais pas, il y a combien de millilitres? Bon, je pense, non, 75, j'allais dire 75 ou 100 ml, c'est ça. Donc je suis trop contente depuis le temps que je le vois passer et que j'ai envie de le tester. Voilà, je suis très contente, pareil, j'ai mes deux dentifrices qui sont sur la fin. Donc trop contente et j'ai hâte de tester, surtout que j'adore la noix de coco. Et les dentifrices Signal sont très bien. Donc très contente. En lot de deux. Ensuite... j'ai trouvé, donc ça c'était pas sur ma liste mais je l'ai pris pour tester, c'est le masque visage en tissu ultra hydratant Loua by Laurence Dumont à l'aloe vera. Donc les masques visage Loua, j'en ai déjà testé plusieurs, ce que tous les ans ils en mettent dans les promos beauté, et du coup j'ai vu celui-là, donc je l'ai pris pour tester, c'est la première fois qu'ils le mettent celui-là. Et j'ai également le masque pied qui suit. Je vais vous le montrer, j'ai mon placard juste là. Voilà, j'ai le masque pied également, Loua. Donc j'utiliserai les deux en combo en même temps. Les masques pieds, je ne les ai pas vus cette fois-ci, où j'ai pas fait attention, sinon j'en aurais repris parce qu'ils sentent super bon. Ça sent l'huile d'amande douce et ça sent super bon et très efficace. Donc voilà pour le petit masque.
Mais les masques là, ils sont très bien, hein. Comme je vous dis, j'en ai déjà testé deux sortes, le vert et le violet, et ils sont très bien. Ensuite, j'ai pris, pareil, j'ai fini mon paquet ce matin, les lingettes démaquillantes sensitives pour les peaux sèches et sensibles. Donc on en a 30, visage et yeux, démaquille, 3 en 1, nettoie et rafraîchit. Texture douce, donc c'est la marque Biocura Beauty, c'est leur marque de beauté. Testé dermatologiquement, pH neutre pour la peau. Voilà, donc c'est les petites lingettes. Donc il y a les bleues ou les roses, moi j'ai pris les roses. Voilà, elles sont très bien. Donc ça, c'était pas dans les promos beauté. Il y en avait dans les promos beauté deux paquets de Diadermine, mais c'était à plus de 5 euros. Donc non, j'ai préféré me tourner sur un paquet comme ça qui coûte 1 euro et quelques. Et elles sont très bien aussi, j'ai déjà testé. Et il m'en refallait. Donc voilà. Ensuite, pour le rasage, j'ai pris la mousse à raser Gillette Série Maxi Format pour les peaux sensibles à l'aloe. Donc là, un format 2, je suis partie pour 1 an carrément. Mousse à raser, c'est très long à finir. Et moi, niveau rasage, je ne me prends pas la tête. Comme je vous ai déjà dit, voilà. Je prends ce que je trouve, donc c'est parfait. Il m'en refallait, j'avais plus de mousse à raser. Ensuite, pareil, je l'ai fini hier soir. C'est le gel extra doux de toilette intime Intima, usage quotidien, sensation de douceur, fraîcheur longue durée à l'extrait d'amamélis. Testé sous contrôle gynécologique, maxi format 240 ml. Donc ça c'est pareil, j'ai fini le mien hier justement, donc je vais pouvoir le mettre tout de suite dans ma douche. Et ça vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, je l'utilise tout le temps, il est très bien. Donc il m'en refallait un. Ça c'est pareil, c'était pas dans les promos beauté, c'était dans le rayon classique. Il n'y avait pas aux promos beauté. La mousse à raser, j'ai oublié de vous dire, c'est deux formats de 250 ml. Ensuite, j'ai pris un déodorant en spray. Déodorant efficacité 24 heures de la marque Ushuaïa. Maxi format 250 ml de fraîcheur parfumée à la fleur de vanille apaisante de Polynésie. Ingrédients d'origine naturelle, parfum longue durée. Donc les Ushuaïa, j'ai jamais testé. Et il n'y avait que ça. Donc du coup j'ai voulu prendre celui-là et il me semble qu'il n'y a pas de sel d'aluminium parce que je prends toujours mes déodorants sans sel d'aluminium. Donc il me semble qu'il n'y en a pas, j'en ai pas vu dans les ingrédients. Donc je pense. La vanille, j'adore, donc on testera. Donc c'est un grand format, c'est top. Et pareil, j'ai le petit Marseillais qui commence à se terminer tout doucement. Donc j'en ai repris un, hein. On verra ce que ça donne. Ensuite, donc ça c'est pas d'hier, ça date des dernières courses que mon copain a fait. Il me refallait du gel lavant, donc il m'a pris la crème lavante main Biocura Body Care à la pêche, à l'extrait de pêche. Peau sensible, pH neutre pour la peau, en 500 ml. Testé sous contrôle dermatologique. Donc il m'a pris celui-là, il sent super bon la pêche, j'aime beaucoup. Ouais. Ça sent super bon, donc ça c'est top. Et de toute façon, il m'en refallait pour mettre dans ma cuisine. Donc voilà, c'est top. Et surtout, vu la période, bien se laver les mains, c'est très important. Donc ça, par contre, je ne saurais pas vous dire le prix, mais je crois que c'est 84 centimes, il me semble. Mais bon, ça coûte pas cher. Et pour finir, donc là, évidemment, à chaque promo beauté, Aldi, il y a toujours des dopes et des dopes en gros format qui coûtent pas cher. Donc du coup, j'en ai profité. Donc tout d'abord, j'ai pris celui au parfum de la pomme d'amour. Un quart de crème hydratante pH neutre. Donc vous avez 250 ml et 250 ml offerts. Tous les ans, ils nous font des gros formats comme ça et j'adore. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le premier dope que j'ai utilisé et ça sent trop bon. Ça sent la pêche sucrée, la pêche, la pomme sucrée, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup les dopes.
Les DOP, c'est la vie, quoi. Hein. Franchement, j'adore. C'est vraiment bien crémeux, bien hydratant. Voilà. Top, top. Donc, j'ai pris celui-là. Et j'ai repris deux Haribo Dragibus. Voilà, donc j'en ai pris deux. Pareil, celui-là, c'est notre préféré. On l'adore. Il sent vraiment le Haribo. Voilà, c'est une tuerie. Je l'achète à chaque fois que j'en ai plus. Donc là, j'en ai pris deux. Comme ça, j'en ai d'avance. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou si vous allez faire un tour à Aldi pour prendre quelques produits. Donc j'avais vu également, il y avait des produits cheveux, il y avait du L'Oréal, il y avait la marque aussi que j'ai vu. Mais j'ai pas pris parce que j'ai encore tout ce qu'il faut. Après il y avait également, je vais vous montrer... Il y avait également ce biphasé là que j'ai pris la dernière fois et il était encore de nouveau disponible, encore en vente, donc j'ai vu passer. Après il y avait des produits Neutrogena, il y avait quelques produits maquillage Rimmel ou Maybelline, des mascaras, il y avait quelques vernis, quelques rouges à lèvres, voilà, il y avait pas mal de petites choses, voilà. Donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et à me suivre sur mon Instagram. Comme d'habitude, je poste plein de choses et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et également, n'hésitez pas à aller sur mon compte Utip. Tout simplement, vous cliquez, vous regardez une pub et ça me rapporte 1 centime et plus vous regardez, plus vous regardez de pub et plus ça me rapporte un peu de sous, et ces sous là tout simplement ça sera pour me permettre de refaire des commandes pour pouvoir vous faire des hauls, des crash tests, des tutos, voilà, pour faire vivre la chaîne et avoir du contenu. Donc n'hésitez pas, avant de quitter cette vidéo, ça me ferait très très plaisir. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut !